bon côté la police qui saisit un gros âme fan fois, un âme M16. J'en ai suivi dans l'image là. Mais attention, eh bien, dans le cadre de recherche, nous après, mesdames, messieurs, âme, ça, c'est pas un âme, c'est pas n'importe quoi. C'est simplement, eh bien, c'était pour militaire et américain, un âme fan fois, ça, M16 là. Qui ça veut dire? Comment fait un âme M16 débarque en Haïti pour l'armée américaine? Nous pourrons le parler de ça parce que sérieusement, je pense que c'est quand même très grave pour tirer des gros âmes fond fois comme ça, surtout pour les militaires qui identifiés rentrent en Haïti côté aujourd'hui nommé gang. Donc, mesdames, messieurs, faut nous parler de ça. Et je pense que le ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, il y a une explication pour bail. Parce que, je nous dis, le pays d'Haïti, pas un savant. Faut nous parler de ça. Puis, au-delà de ça, mesdames, messieurs, l'autre sujet, nous allons traiter pour également. Eh bien, nous ne pouvons pas parler de commissaire Miscardin. Nous allons comparer avec Rambo. Ça veut dire quoi? Eh bien, commissaire, ni dans l'actualité, il a fait circulation, il a travaillé. Une nouvelle vidéo là, je pense qu'il y a très, très intéressant pour nous partager avec vous. Mais, attention. Également, on a touché dossier côté que nous avons bloqué plusieurs militaires FADH qui a pris formation dans le pays Mexique. Nous allons voir plus de détails parce que nous avons l'autre petit barrière qui vient dans nous et nous pas qu'à le pour, mesdames, messieurs. Mais au-delà, mesdames, messieurs, je dis à la, nous pas qu'à pas souligner et miracle ça que fait là parce que Haïti nous a un tsunami passé là, un tremblement de terre passé là en parlant de tremblement de terre et docteur Claude Joseph parce que après ça Claude Joseph il fait là si docteur a un ennemi et bien penser que ennemi multiplié par 10 par 20 par 30 après monde que docteur Claude Joseph met dans la rue je dis à mesdames messieurs nous pas qu'à pas retourner sur ça parce que là tout le monde cible docteur Claude Joseph et bien une fois de plus nous allons voir plus de détails nous allons mettre pour vous mesdames. Bonjour Dimi, bonjour tout auditeur, auditrice, Chanel, Moun Affaire Bon TV. Encore une fois, nous dit et bonjour, bonsoir en même temps. Ça dépend de qui l'heure et qui côté n'apprécie nous dans le temps. Encore une fois, bon dimanche à tout le monde. Encore une fois, nous retournons là avec un bulletin d'information chargé pour les grands piles révélations là. Et bien justement, nous qu'on est là. Et si nous croyons, mesdames, messieurs, eh bien, et important de saisir qui fait là au niveau du département du Sud, mesdames et messieurs, causé dans la République, eh bien, il y a une grosse arme que les États-Unis peuvent utiliser pour aller dans la guerre Vietnam, époque guerre Vietnam, là, eh bien, ils ont découvert la police nationale dans le cadre d'une opération conjointe mélangée avec justement, eh bien, agents de LTS de découvrir ça dans la baie du Mel au niveau, eh bien, justement, commune Saint-Louis. Et de côté que Zamsa, qui lui-même actuellement là, est soulevé en pic débat dans l'opinion publique là, qui est-ce qui veut Zamsa, quand je dis moi, et puis qu'il dit moi, quelle sera la prochaine décision qui va prendre, bon côté, les autorités américaines et des conseils avec l'autorité haïtienne, concernant Zamsa, et bien c'est pour la première fois nous là, un Zam qui c'est lui-même, propriété de l'armée américaine, débarqué dans le pays d'Haïti, pour nous faire qui ça, côté que la police arrive. Et ces hommes ça, dans le cadre d'échange de tir, et bien, qui t'a fait avec des bandits, contre non seulement la police, et bien, justement, tuer les bandits, et la police arrive à saisir ça, mais dans le cadre d'opération Sardini, c'est plusieurs hommes qui arrivent à saisir, et bien, dans le cadre, on a parlé de M16 là, qui la police saisit au niveau de Bendinel, et qui est au niveau du département du sud du pays Salomon. Mais nous avons dit, Léonel, la police qui continue à traquer bandits, continue à traquer vagabonds en Haïti. D'abord, je dis dans le du Sud, nous avons dit, il y a M16A1 qui est propriété gouvernement américain, vétéran de l'armée américaine, Wood Joseph, a demandé gouvernement haïtien, exigé explication bon côté gouvernement états-unien. Selon lui-même, Zamsa, c'est E1, c'est lui, M16A, qui est. Qui s'est fait pour guerre Vietnam, pas qu'à atterrir comme ça, comme ça. Bon, là, Léonel, nous commençons, ouais, les États-Unis, ils sont pourris la pluie à Haïti. Ça veut dire, nous, ouais, y'a pas de nouveaux âmes, y'a pas de bons âmes, toutes anciennes âmes là qu'on a gagné, c'est seulement nous. On a, je dis, est-ce que nous, pas qu'à pointer du doigt, nous, bien, ouais, et ces questions d'amener la police qui saisit dans la cellule du Sud, nous avons parlé de M16A1 qui s'est propriété gouvernement américain, vétéran l'armée américaine, Wood Joseph, mandé gouvernement, a été pour exiger explication pour le gouvernement états-unien.
selon les mêmes armes, ça, c'est MTS, qui est pour guerre Vietnam, pas qu'à atterrir comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des explications que gouvernement américain doit fournir avec Haïti. Qui est-ce qui demande des explications, Salomon? Oui, nous allons parler de Joseph. Bon, Joseph, qui est vétéran de l'armée américaine, mais il demande au gouvernement haïtien, pour qui gouvernement encore, exiger explication bon côté gouvernement des États-Unis, ça veut dire, il y a un vétéran, il y a un ancien cadre de l'armée américaine, qui dit faut demander explication, et pour le gouvernement haïtien, demander au gouvernement américain explication, parce que dans ça, il fait pour guerre Vietnam, il n'y a pas qu'à atterrir comme ça, soit en Haïti, il y a une mission, il y a une fin. Parce que j'en décale les amis, j'en ai bon côté de confisquer. Elle dit, où elle a marché, elle a freiné, où elle a vivre en Haïti, ça veut dire, libre pour en Haïti, comme ça, ça veut dire, j'en vais te parler, et bien, le gouvernement t'a supposé demander explication avec l'autorité américaine, qui est un grand pays d'Haïti. Et pour tout du tout, et dans le cadre d'opération conjointe, et madame, monsieur, auditeur, il y a une opération qui était arrivé possible de constater avec agent IDMO et département studio et donc capable de dire et également et agent et BLTS qui ont même arrivé et procédé avec et saisi plusieurs gros armes dans le cadre d'opération sur la guerre. Plusieurs gros trafiquants qui arrivaient tombés, mesdames, messieurs, blessés mortellement. C'est pas arrêté, monsieur. Eh bien, monsieur, ça qui était en position des armes, ça y est. Eh bien, la police arrive vidéo à terre. Bon, dans le cas, ça a bien mon qui était souhaité à ce que monsieur Patrick Mouigoté dit côté avec les armes, ça y est. Mais la police arrive justement et blessé mortellement. Donc, ça veut dire que monsieur est capable. Les possibilités là pour explication en tant que divisé pour ta joindre par rapport avec l'origine des armes. Nous, comme nous avons information sur l'origine des armes, nous avons sorti. Mais comment on fait là? Depuis qu'il est revenu là, pas qui est-ce qui te permet à ce qu'il est revenu là? Donc, ce sont des questions qu'on se pose et pour l'instant présent. Mais nous sommes capables de dire Salomon jusqu'à date. Monsieur Sarki, nous venons à la réunion certain, Michel Sénat, alias Pépé, qui est arrivé qui l'a pris à l'été, et qui est également Tirastan Sikoni, qui est arrivé justement tombé, même je l'ai déjà dit dans l'émission précédente. Là. Donc, je pense que c'est un dossier qui l'a suivi de près. Donc, qui est-ce qui vient à l'examen ça? Et même Jean, il y a une explication qui m'a dit pour que le gouvernement haïtien fasse les marches pour qu'on ait de la part bon côté gouvernement américain pour qu'on ait comment l'examen ça. C'est des armes qui sont très dangereux, des armes que l'armée américaine peut utiliser lorsque vous êtes dans la guerre Vietnam, et bien, qui nous viennent dans le pays d'Haïti. Des armes qui tirent, des armes de haute portée qui sont capables de tirer. Kilomètres, et bien que nous venons dans le pays à l'arrière, côté que justement, et bien qui habitué à utiliser